Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5. Please, le girafe qui commence avec déjà des dégâts, c'est génial. Hop, on va faire le tour de cette planète, chers amis, et pour ce faire, je pensais creuser un trou quelque part et y placer de la lave, mais je crois que ça ne va pas le faire. Ça commence bien. Si je bouche ici, est-ce que je peux boucher ici d'ailleurs? Avec ce genre de compo. Non, apparemment non. Hop, là, ça sera bouché comme ça. Et je vais mettre de la lave partout dans le trou, là. Crac. Voilà. Et normalement, ça, je devrais le voir. Aïe, forcément. Ça m'étonne qu'à moitié, bizarrement. Ok, donc on est bon. On continue la recherche des derniers compos. Et trucs qu'on est censé trouver dans les coffres de ce genre. Hop. Crac. Voilà la suite. Lui on va pas le casser parce que sinon il va mourir le pauvre. Même si c'est un prisonnier. Après faudrait savoir qui a mis en prison et pour quel crime à côté quoi. Enfin bon. Peut-être que ces informations là on les aura lors de la 1.0. Avec le nouveau système de détection d'inspection. Entre guillemets. Si je puis dire ça comme ça, qui fera avancer l'histoire, hein, qui sera nécessaire, chers amis. Donc il y aura vraiment beaucoup plus de choses à réaliser. Vous avez vu en un tir ce qu'il m'a mis? Oh! 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 Boum! Moi je sais me servir d'un marteau. On m'appelle Thor dans le métier. I worth it. Aïe. Aïe. Sauf que lui quand il tombe sur le sol il se fait pas mal. Moi si. Lui il atterrit avec son marteau normalement. Ok. La vraie strat elle est là. La vraie strat elle est là. Même si je me prends des dégâts. Ce qui est un peu dégueulasse parce que nous quand on se prend des dégâts on est légèrement repoussé habituellement. Mais plus maintenant je crois en fait. Non en fait j'ai raconté des conneries. Il y a eu tellement de mises à jour de jeux qui ont modifié le gameplay. C'est pour ça que la modification d'interface dont je parlais dans le précédent épisode je crois m'inquiète un petit peu vis-à-vis. Oh merde. Je crois qu'ils ont génocidé tout le monde. Et du coup vous faites comment pour remonter bande de nazes? Attendez je vais essayer de vous faire ça. Si vous voulez bien vous donner la peine de vous pousser. Ça va être compliqué, apparemment ils veulent pas se pousser plus que ça. Hop. On a sûrement pas assez, hein. Mais si c'est suffisant pour leur permettre de monter en haut. Je pense qu'on devrait être plus ou moins bon. Ok, voilà. Regardez ça. Dites-moi que c'est le bon. Putain, c'est le vendeur de fruits et légumes. Dommage. Oula. Mon ami, tu vas te faire attaquer incessamment sous peu. Aïe, dommage. Oh, le petit bruit. Le bruit de casserole. Boum. Dites-moi qu'ils sont remontés. Ah puis il est au cac. Je peux pas. Je peux pas. J'essaye mais je peux pas. Il faut que le marchand soit encore vivant. C'est lui. Cassez-vous, je veux parler au marchand. Ça y est. Oh putain, il y en a un autre! Non, fais pas ça, Marcus! Si tu fais ça. Merde! Hop! J'ai pas tué le bon marchand, rassurez-moi. Ils sont tellement nombreux ces monstres dans le coin. Oui! Oui!
Il y est presque. Mort. Il y est presque mort, effectivement. Me dis pas que t'avais que du caca. Il avait que du caca. Quoique, attendez. J'ai cru voir ça. Ah non, c'est les phénix. Dommage. Dommage, dommage. Bon. Bah, j'espère que vous apprendrez à vous défendre un peu mieux que ça, parce que vous avez quand même perdu des gens. Hein. En l'occurrence, des clients. C'est encore pire. T'as chaud? Hop les, ça c'est fait. Ah, quel dommage. Non. Hop. C'est bon, on l'a eu. Aïe. Ouh, la planète de tous les dangers. Il y a des nuages, regardez. Oh, il est pas mort, il a lagué comme s'il était mort, c'est pas sympa. Oh, ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux dans tous les sens. Hein. Raté. Hop, je t'ai eu. Crac. Non, tu ne mourras pas comme ça. Aïe. Je mourrai tout seul. Oh, un poil de trop. Hop. Et non, il y en a du monstre sur cette planète. Heureusement que j'ai ma lance. Alors. Oh. Oh, il y a du monde. Hop les, ça c'est fait. Aïe, dans la glace. Parfait, il pourra pas me rejoindre. Et il n'y a rien dans le coffre. Ah, il y en a un deuxième par contre. Ah. Oui, j'ai réussi à m'y blinker. En mode de justesse. Meurs. Et ici, rien non plus. Rien non plus. Bon. Yo, tu ne m'as pas vu. Je suis discret. Je suis tellement... Ah bah, il y en a un qui m'a vu par contre au-dessus, là. Oh. Ah merde, il s'est passé un truc con, je pense, là, sur le coup. Ah non, wooden chest. Non, c'est bon. Ça va, ça aurait pu être pire. Par contre, qu'est-ce qui a pu causer les dégâts suffisants à casser tout ça? C'est ça, la véritable question. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Dégage. Dégage. J'aimerais récupérer la bombe. Boum. Ah. Boum. Voilà, problème résolu. Ok. La technique du saut, puis je retombe avec le marteau, elle est très efficace quand même. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas une augmentation des dégâts suivant la hauteur du saut, parce que si on prend des dégâts aussi en même temps. Hein. Puis bon, pour le style quoi. Des dégâts pour le style. Trop stylé. Dégâts x2. Ça serait stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui ont de la gueule quand ils se battent. Comme moi. Hop. Après, tout est relatif, hein. Un tir de sniper fait d'un bout à l'autre de l'écran, parfois, sans, en tirant au pif. Une balle manquée, une balle loupée, vous savez, une balle perdue, qui touche. Ah, c'est trop stylé. Non, c'est faux. C'est juste de la moule. Différencier la moule du stylé. C'est comme Bastion dans Overwatch. C'est pas stylé, c'est juste craqué. Ok, on est bon. On va creuser un coup. Bon, je sais qu'il y avait des choses là-bas, mais bon, pas intéressant, je pense. Alors. Ça nous en fait de la glace, hein, dis donc, d'un seul coup. Si on pouvait se barrer avant qu'il nous voit, ce serait cool. Merci. Oh, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Ah, on a plus de place pour du fer. On n'a qu'à virer ça, déjà. Ça aussi. Alors, par ici. Moi aussi je peux faire pareil, hein. Je peux faire pareil, je peux faire pareil. Ah ah. Rien qui me semble particulièrement intéressant. Là non plus. Il y a combien de coffres dans l'endroit?
What the fuck? Alors. Ah non, c'est un bonhomme, je croyais que c'était une tourelle. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait un bonhomme. Moi, je pensais que c'était une tourelle qui était planquée dedans, en fait. C'est pour ça que je suis en train de chercher avec le truc de wiring, parce que je me disais, bon, on va l'allumer pour rigoler quand même, merde. Non, non, c'était juste un bonhomme qui était à moitié dans le plafond. Littéralement emplafonné. Pourtant, j'ai pas utilisé mon marteau hypercut. Mais bon. Hop. Du diamant. Un coffre. Une hache, malheureusement. Crac. On va passer par là. Je pensais que ce serait plus facile à casser, mais non. Ah, attendez, il y a peut-être un chemin pas loin. Non. Dommage. N'empêche, je pensais à ça l'autre jour. J'ai passé quand même des centaines d'heures sur ce jeu et je continue à m'amuser en fait. Hein. Je me lasse pas. Enfin, de là à dire que je m'amuse tout le temps, ce serait faux parce qu'il y a des périodes qui sont par exemple le farm de comment de. D'essence, tout ça. C'est pas extrêmement drôle le farm là, comme ça, un petit peu des. Des objets, c'est un peu décevant des fois quand on fait 10 épisodes et qu'on trouve pas ce qu'il faut. Mais cela dit, c'est pas pour autant que je ne m'amuse pas. Je sais que c'est rare et il y a vraiment la sensation de mérite à la fin, vous voyez ce que je veux dire? Si j'y suis arrivé, c'est que je le mérite, quoi. Donc c'est assez sympa, ça, pour le coup. C'est bien dosé, on va dire. Ok, là j'ai vu quelque chose qui pourrait nous faire avancer un petit peu dans la recherche. Parce qu'apparemment, on peut en trouver aussi dedans. Apparemment. Alors, c'est laquelle? Celle avec la lave, si tu le dis. Aïe, ah oui, d'accord. En gros, vous pouvez sauter, mais attention, si vous vous loupez, à cause d'un mur au-dessus, quoi. Ah, bien joué! Bien joué, bien joué. Elle est pas complètement coordonnée, vous avez vu? Hello there! Voilà, merci d'être passé. Ça allume la lumière, de là à ce que ça serve à quelque chose. Grande question. Ok. Toi t'es bourrin. Toi je t'ai eu. Il y a un coffre. D'accord. Il était question d'un coffre. Ok. D'accord, why not, hein. Nanana. Ouais, grenade launcher qui a l'air assez classique. Mouais. Mouais. J'espère qu'elles seront plus dures. Je préférais avoir des trucs avec des checkpoints dedans qu'on puisse récupérer plusieurs fois. Que un truc où on peut le faire qu'une seule fois et où c'est assez simple finalement. Deuxième. Dégage. Ah, il a survécu. Hop. Ici on a un sniper moisi. Why not, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Si je puis dire. Hop, raté. T'es trop mauvais. De l'or. Un instrument florane que j'ai déjà en double, en triple, en quadruple. C'est-à-dire que j'ai déjà en trop de fois. Déjà une fois, ce serait trop. Vous savez que j'adore les floranes, hein, quand même. Je rigole, hein. C'était une blague. J'aime pas les floranes. Ah, j'ai vu un truc qui m'intéresse. Hop, c'est parti. Ok. Alors, c'est laquelle? Ah oui, celle où il faut se dépêcher ici. Ah bah non, je croyais. Je croyais qu'elles disparaissaient, les plaques de l'autre côté, en fait, moi. Alors. Ah,
D'accord, ils l'ont fait super long pour une raison que je ne comprends pas. Alors à mon avis, ça se sera résolu à la 1.0, chers amis, hein. Ne vous faites pas de bile. Je pense que ce problème-là sera bien résolu à la 1.0. Hop, pas très compliqué tout ça. Ok, 90 pixels, bon bah c'est pas épique, hein. C'est pas épique, c'est pas épique. Mais je pense qu'il faudrait, ou alors revoir les règles de ces zones-là, c'est-à-dire par exemple, oula. Empêcher l'utilisation des textes par exemple. Ça pourrait être sympa. Ça rendrait les choses vraiment compliquées, vous savez. Ou alors autoriser seulement certaines techs. Ça peut être sympa aussi. Ok, rien dedans. On redescend et ici, rien dedans non plus. Ok, on est bon pour recreuser. Même si je serais pas étonné. Ah bah, cool. Ça va plus vite. Pas grand chose d'intéressant dans le coin. Alors. Salut les mecs. Je fais que passer, hein, n'inquiétez pas. Aïe. Je ne fais que passer sa route. Oh non, pas déjà. Oh, j'étais bien. Mais non, j'étais bien. Ah, puis il y a de la lave partout. C'est la catastrophe. Oh là 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 là. Il y a peut-être un coffre. Il y a peut-être un coffre. Crac. Aïe. Ah, ça me fait quand même des dégâts, non. Non, non, putain. Ah, non de Dieu. Ah, puis je me cogne contre le comment que s'appelle le volant. Ah. Bon, on a perdu des pixels, fait chier. Fait chier, fait chier. On était presque à 10 000 en plus, c'est con. Bon bah tant pis. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, notre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo.